Bonjour à toutes et à tous, je suis Rudi Reichstadt, j'ai créé Conspiracy Watch en 2007. Depuis des années, notre travail, c'est de lutter sans relâche contre la désinformation complotiste et les discours de haine en ligne. Chaque jour, nous décryptons, nous analysons, nous documentons toutes ces fake news qui brouillent la frontière entre le vrai et le faux, fragilisent nos sociétés, les polarisent dangereusement et qui, finalement, menacent les fondements mêmes de notre démocratie. Si nous sommes mal informés, nous ne pourrons pas faire des choix éclairés en tant que citoyens, en tant que particuliers, en tant que consommateurs, en tant que patients même. Nous pensons que le respect que nous vous devons, c'est de nous informer complètement. C'est de produire des analyses critiques sur toutes les théories du complot, d'où qu'elles viennent, et quelles que soient les cibles qu'elles se choisissent. C'est pourquoi nous avons toujours travaillé de manière indépendante, sans jamais chercher à plaire à quiconque, ni à nos lecteurs, ni à des mécènes, ni à des annonceurs. D'ailleurs, on n'a pas d'annonceurs. Vous êtes aujourd'hui des milliers à être abonnés à notre newsletter, des dizaines de milliers à nous suivre sur les réseaux sociaux, et probablement des centaines de milliers à nous connaître en France. Votre soutien contribue à faire de Conspiracy Watch le média de référence en matière de lutte contre le complotisme. Mais ce travail de vigilance et d'information a un coût, surtout dans un contexte où les attaques contre nous se sont intensifiées. Nous avons été à plusieurs reprises l'objet de pressions et d'attaques calomnieuses de la part d'anciens députés comme Martine Vonneur, comme Nicolas Dupont-Aignan, ou comme l'ancien sénateur Yves Pozzo di Borgo. Conspiracy Watch est l'une des bêtes noires de l'extrême droite identitaire et aussi de l'extrême droite soralienne. Et pour ne rien vous cacher, on n'est pas non plus très apprécié par une partie de la gauche radicale, notamment celle qui est complaisante avec le complotisme et l'antisémitisme. À ça, il faut ajouter qu'on est cyberharcelé en permanence. C'est la rançon du succès, c'est la preuve que le travail que nous produisons à Conspiracy Watch a un impact, et c'est tant mieux. Mais sans entrer dans les détails, ce n'est pas tous les jours facile à vivre, ni pour moi, ni pour les autres membres de l'équipe. Et comme si ça ne suffisait pas, nous sommes aussi harcelés sur le plan judiciaire, avec des procédures bâillons contre nous qui ont donné lieu à des procès que nous avons toujours systématiquement gagné. Mais ces procédures, elles ont aussi pour objectif de nous paralyser, de nous détourner de notre mission principale, et elles nous coûtent de l'argent. Nos frais d'avocat s'élèvent déjà à plus de 40 000 euros, et c'est encore la moitié de cette somme que nous devrons débourser dans l'année qui vient. Face à ces défis, nous avons besoin de votre soutien. Pour la première fois depuis notre création, nous avons décidé de lancer une campagne de collecte de fonds sur Ulule. Pourquoi Ulule ? Eh bien parce que Ulule, c'est une plateforme de crowdfunding qui veille, et ce n'est pas le cas de toutes, à ne pas participer au financement de projets toxiques qui sont compromis avec la haine en ligne ou avec la désinformation. Nous avons 3 semaines pour atteindre notre objectif. On l'a fixé à 20 000 euros. Avec 20 000 euros, on espère pouvoir vous proposer davantage de contenus originaux et surtout pouvoir les diffuser sur des plateformes qu'on n'a pas encore suffisamment investies. Pour vous donner une idée, 20 000 euros, c'est un peu moins d'un mois de notre budget de fonctionnement. Je vais vous donner un autre exemple. Vous connaissez peut-être notre émission Les Déconspirateurs, qui est diffusée sur YouTube, qui est présentée par David Medioni, que je co-anime avec Tristan Mendès France. Une émission où on reçoit des invités aux horizons très divers, qui ont tous pour point commun de ne pas être des extrémistes, et c'est une émission que nous tournons ici, dans notre bureau. On a calculé le coût de chaque épisode d'une heure, 4300 euros. Récemment, j'ai vu une vidéo de levée de fonds d'un youtubeur politique bien connu, et il estimait que le coût TTC d'une vidéo d'une heure, d'un seul épisode, pour lui c'était 75 000 euros. 75 000 euros pour une seule heure. 75 000 euros, c'est un tiers de notre budget annuel. Nous, avec cette somme, on fait 17 épisodes d'une heure chacun, soit toute une saison entière. Vous l'avez peut-être observé, Conspiracy Watch peut compter sur des collaborateurs toujours plus nombreux. Des salariés réguliers, des pigistes, des prestataires. Il faut du temps de travail pour faire de la veille correctement, pour mettre à jour nos plus de 600 notices d'information, qui sont un peu devenues le Wikipédia du complotisme. Il faut coordonner tout un travail éditorial extrêmement scrupuleux sur les faits, c'est un peu notre marque de fabrique. Et puis surtout, on envisage de publier dans les mois qui viennent des enquêtes serrées, exclusives, sur nos amis complotistes, qui, vous l'avez compris, n'ont pas intérêt à ce que cette collecte atteigne ses objectifs. Et donc, pour continuer à vous offrir des contenus toujours plus nombreux, sérieux, de qualité, et cela en toute indépendance, votre aide est essentielle. Nous soutenir, c'est soutenir un média à la fois fiable et engagé, qui est arrivé ces dernières années à déplacer des montagnes avec peu de budget. Ne l'oubliez pas, quoi qu'il arrive, chaque contribution, petite ou grande, est de toute façon précieuse. Merci pour votre soutien, merci aussi de diffuser autour de vous, auprès de vos amis, de votre famille, sur vos réseaux sociaux, cette collecte, et je vous dis à très bientôt.